Et coucou tout le monde, c'est Lily, on se retrouve pour cette 39e partie du Let's Play sur Pokémon Black Platinum. On continue notre petite aventure et aujourd'hui on va aller quelque part. Et on va voir ça, en fait on va voir où on va aller dans le centre Pokémon. On va aller voir la carte de la région. Et Excusez-moi. Pub, hein, toujours les pubs. Ouais, je vais vous embêter avec ça, mais bon, moi aussi ça m'embête beaucoup. La carte, je sais pas à quelle ville on est déjà, donc ça va pas aller. On est à Rishan City, ok. Kosaka City, Meridian City. D'accord. Pour aller où? Là, il y a Team Steam ici. On va essayer d'aller. On peut voler jusqu'à où? Parce que il y a un petit bug dans le jeu, on peut pas voler partout. Enfin, même dans les villes qu'on a visitées, il y a des villes qu'on a visitées, on peut pas aller. Donc on va voir ça, de toute façon on peut passer par d'autres chemins, mais bon. Et donc, le plus là où je peux les voler, c'est... Bon, il y a à pied. Est-ce que j'ai des repousses? J'ai pas trop de repousses. Parce que sinon, je vais en racheter. Parce que les Pokémon sauvages, hein, c'est terrible. Hein. Mec, ça vous saute dessus. J'ai déjà... Non, j'ai 3 super repousses, mon dieu. 3 super repousses. Oh là, c'est pitoyable. Où est-ce que je peux en acheter? Il y a où la boutique ici? Par là? Il... Ah oui, il est là. Je pense qu'ils en vendent. Au pire, si même si ils vendent des max repousses, je leur en achète. Hein. Alors. Oui, j'achète. T'as quoi? Ah, tu dois avoir des super repousses. Très bien. Je vais t'en acheter plein. Allez, 99 façons, ce qui me reste. Je sais plus où c'est, où j'avais combattu, mais ils en donnaient tous plein. Ah, mais j'en ai déjà 3, donc faudrait que j'en achète 96. J'en ai acheté 96. Vous allez voir, ça va passer. Oui. Parce que, en fait, quand ça dépasse 99, ça crée un autre... Pour pouvoir acheter les 99 objets, ça m'aurait créé un autre emplacement dans mon sac. Et du coup, ça aurait rempli le sac et j'aurais pas pu acheter. Du coup, là, en achetant 96, et ben ça a complété avec les 3 déjà restants de super repousse. Donc tout est bien qui finit bien. Je vais mettre en pause justement, bon, on va les utiliser. Oh, il ne reste plus que 98. On a qui devant? On a qui? On a Hypnomade? Ok. Et ben Hypnomade, tu vas pas combattre. J'ai pas envie. J'ai envie de faire monter un Pokémon un peu pas fort mais fort, voilà. Si c'est le mot. Enfin, pas fort mais. Rakufeu et Hypnomade, c'est pas pareil. Un coup fait plus impressionnant, donc vaut mieux que c'est celui qui a le niveau plus fort. Oh bon sang. Oh, il y a des rochers. Oh, j'ai pas envie de... Vous savez quoi? On va avaler là et on va remonter par là. Bon, j'ai pas envie de prendre Baguette dans mon équipe. Hein. Donc on va retourner ici. Alors là, on est à Skyner City. C'était l'arène de type vol. Je sais plus comment il s'appelait. Oh, imaginez. Je sais plus tout comment il s'appelait, mais c'était notre deuxième badge de la région de Lorraine. Et dans le dernier épisode, d'ailleurs, si vous l'avez regardé, bah sinon je vous le conseille, l'épisode 38. Et on avait obtenu deux badges dans l'épisode, donc c'était pas mal, c'est pas tous les jours que... On a vraiment enfin, c'est pas dans tous les épisodes que j'ai fait 2 badges. Et on avait... c'était notre 13e et 14e badge, si je me trompe pas. Oui, je fail here. Il me semble que c'est notre... Quoi? Hypnomade? Quoi Hypnomade? Bon, oula, il y a vite. Là, je contrôle rien. Ah bon, c'est notre 13e et 14e badge, je me trompe pas. Alors, en premier, on a fait... Je refais tout Lorraine. Roche, vol, donc 9e, 10e. On a fait roche, vol. Je sais qu'on a fait combat aussi, donc 11e. Il me semble qu'on a fait normal, poison, 12e, 13e. Et... Il m'en manquerait un. Attendez. Roche, oui, roche, vol, normal. Roche, vol, normal. Poison, oui. Bah non, peut-être qu'il nous reste 3 badges. Bref. Allez, on entre avec un armure dans le centre Pokémon. Ah non. Non, c'était juste pour voir s'il allait s'enlever. Donc, on est là. On va sur la droite pour... Oh non, qu'est-ce qu'ils font là? Ah bah tiens, bah, on va aller combattre. Dépêchons-nous d'aller à Kosaka City. C'est juste après le lac en haut.
Si nous n'allons pas là-bas vite, Kratos sera vraiment énervé. Eh ben, je vous suis, les amis. Je vous suis, hein. Enfin, peut-être que vous voulez pas, mais je m'en fous. Ils sont vers un lac, ils ont parlé d'un lac. Donc on va sûrement celui-là. Il y a un pêcheur. Ah, mais s'il y a de l'eau, par contre, ça va. Je vais choisir qui. Bon, allez, lui, il est niveau 65. Oh. Voilà. Le repousse, c'est toujours actif ou pas? Je me rappelle pas. Bon. On va faire ces combats. Ah non, mais je les ai déjà fait. Ah, mais attends, je suis où, là? Ah, mais je suis ici, d'accord. Oh, c'est dingue, ça. Mais je les ai pas tous fait ici, il me semble. Si vous rappelez pas, ici... Enfin, c'est ce lac. C'est le lac qu'on a traversé dans le précédent épisode. Quand on cherchait le champion, là, le... Je sais plus quel champion. Et on le cherchait, et c'était derrière ce lac qui se trouvait. Ok, c'est dingue, ça. Bon, je suis à Kosaka City. Ben, je vais remonter. Parce que bon, je crois que c'est dans le... c'est au nord qu'il faut que j'aille. Personne me défie. J'ai déjà fait ces combats-là. Ça, c'est aux déflagrations. Fire Blow, oui, déflagration. Bien ça. Oui, et pour cette attaque, je sais pas si vous avez suivi, pareil, j'ai eu dans le dernier épisode. Et sur cette attaque, il y a un bug. Normalement, sur Chaos, c'est censé baisser l'attaque spéciale dès que tu utilises. Mais dans ce jeu, non. Oh, c'est pas un problème, mais oh, c'est un petit bug. Un bug qui profite pour une fois, parce que des fois c'est des bugs qui t'embêtent un peu. Celui-là, au contraire, il t'aide. Je t'ai combattu, toi? Non. Ah non, c'est un Pokémon sauvage. Ah, bah si, bah j'ai déjà combattu. Oh, un Purulini. Comment c'est en français? J'en sais rien, un gros chat, là. Garfield, je sais pas. Comment il s'appelle? À force de jouer à des jeux hackés, enfin, à force. Oui, en faisant les let's play sur des jeux en anglais, des fois les noms français sortent totalement de la tête. Ah là là. Meridian City, on y est déjà allé ici, oui. Eh ben, on continue toujours au nord. Hein. On continue normalement. C'est où que je vais aller? Attends, on va faire comme si on voulait faire vol. Et on veut pas faire vol. Non, bah oui, la Vasseur, bien sûr. Ah, mais Meridian City. C'est Meridian City? Je prends rien du tout. Ok, donc je suis déjà allé. Est-ce qu'il y a une arène ici? Oui, il y a une arène. C'est quoi l'arène ici? Leader Aizen, type normal. Ah bah on l'a déjà fait. Et bah on va aller sur la gauche. Ah, casse-toi. On va aller sur la gauche. Est-ce qu'on peut y aller? Non, c'est pas ici. Oh, il y a un arbre. J'aurais bien coupé entre les bâtiments, mais il y a un arbre. Oh, mais des arbres partout. Cette ville, elle est un peu étrange. Elle a l'air super moderne, mais des arbres pas. C'est nul. C'est là où il y avait la Team Steam, je crois, qui bloquait ici. Il me semble. Bon, bon, maintenant on peut passer. Et... Ah bah non. Ah, ils sont là maintenant, d'accord. Ouais, ils sont un petit peu avancés. Ah oui, bah d'ailleurs, le super robot, il est plus... Bon, ça va. On en a pas eu beaucoup, de toute façon. Bon, allez. Venez, là. Je vous attends. Team a été affaibli à cause des récents événements, mais nous avons toujours confiance en notre leader. Hein? Oh non. Pourquoi je fais ça? Je passe par où, moi? Oh, c'est quoi ça? Hein? Ah, il faut tunnel. Tunnel. Et ouais, 28, je cherchais dans les 20 et quelques, je voulais dire 26, mais non, 26. Je sais plus ce que c'est, 26. Ah, je vais prendre Bagay, on va voir si tu vas prendre ça. Bon, vous savez quoi, pour pas perdre de temps d'épisode, je vais voir en hors vidéo, et dans tous les cas, je reviendrai directement après avoir enseigné un Pokémon. Si c'est pas Bagay, ce sera un autre. Je crois que j'ai un Maskaimor dans mon PC, donc au pire, j'apprendrai un Maskaimor. Voilà, bon, je vous retrouve devant ce trou dans 2 secondes. A tout de suite. Et voilà, et bien sûr, le super héros Bagaid peut apprendre tunnel. Ce Pokémon peut tout apprendre. Il est génial, hein. Allez là. Bien sûr, je le garde pour mon équipe, mais il est bien, il est très bien. Comme Pokémon à la fois bon et qui quand même peut... Un peu le Pokémon cobaye, le Pokémon qui sert à rien. Ce Pokémon à qui on apprend toutes les CS. C'est... Ah là là, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, ah, c'est bien ça qu'il faut faire.
Et le gars il reste devant le trou, il fait rien. Oh, trop bien! Joli. Mince, j'ai pas envie de combattre les deux en même temps. Team, blabla. Mais les. Ah, d'accord, ils ont beaucoup moins de membres, mais ceux qui sont restés sont de grands guerriers. Prépare-toi à combattre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont revenus avec quoi? Avec un hypocéan, ok. Voilà, ensuite. Ah, j'aurais dû lui donner. Est-ce qu'il a une chance, lui? Je sais pas. Ah, non, par contre, ça va. On va mettre. Et les câbles. Oui, et j'ai toujours le mode défini. Je n'ai pas l'intention de l'enlever. Je pense que même à la ligue, je le laisserai. Ça fait toujours un peu plus de difficultés. C'est plus intéressant. Sinon, c'est vrai que c'est à chaque fois. Déjà qu'on a un petit peu d'avance sur les Pokémon et que même ils sont pas hyper forts. Ah, tiens, je vais te faire tonnerre. Enfin, Fatal Fou. Parce que sinon, avec les tonnerres, je suis pas sûr que. Ah bon, je préfère laisser en mode défini, ça rend les choses un peu plus difficiles. Voilà, ah bon. Bon, on continue. Ah, c'est quoi ce truc de glace? Oh, je viens de penser à un truc. L'attaque que Bagaïd a, Ice Smash. Je sais pas ce que c'est en français, là je vois vraiment pas. Parce que point glace, c'est Ice Punch. Ice Smash, du coup, je me dis que... Ça doit servir sûrement à casser des blocs de glace là comme il y avait juste au-dessus là, je sais pas si vous avez vu. Bah, de toute façon on va pouvoir vérifier ça dans 2 secondes mais... Bon, ce serait dingue quand même. Je trouvais pas. Oh, ça ne met pas KO. Oh, bien fait. J'ai combien de lame feuille parce que... j'ai pas arrêté d'utiliser ça, j'ai l'impression de l'avoir. Je vais juste vérifier. Il y a combien de lame feuille à lui? Résumé, oui. Non, ça c'est... D'accord, ouais. Oh, il y a des bonnes stats. Bon, et dès qu'il montera niveau 66, on en mettra un autre. On mettra l'autre, la Trioxyne. Oh, vous avez vu, c'est Ice Smash. Oh, c'est trop dingue. Oh, bah c'est bien d'avoir pris Bagaïd. Heureusement que j'ai pas pris un Mascaillement. Oh, oh là là. Oh, il est trop bien ce Bagaïd. Il est parfait. Bon. Bon, par contre, tu sers à rien toujours, mais t'es super quand même. Je t'aime. C'est pas terrible. Bon, bah, de toute façon, je vais changer. Parce que dans tous les cas, il montrera niveau 66. À moins que. Non, si, un sécateur, il donne de l'expérience. Je suis bon. Je lui fais confiance. Hein, pour moi, c'est pour ça, je lui fais confiance. Et c'est KO. On va mettre Drapeau Feu devant. Voilà, niveau 66. Très bien, j'ai pas vu ce qui a augmenté exactement dans ses stats. Mais... Et voilà. Donc, on met. Non, il a pas d'objet, du coup il doit pas avoir la chance. Et lui, il a quoi comme objet? Ah, il a l'op chance, super. D'un côté, oui, quand là ça a été séparé par deux, l'expérience quand j'ai combattu un sécateur. Et Dracofeu, on a reçu plus que Majaspic. Non, oui, c'est ça son nom. Ah, c'est Kratos. Bon, il nous dit la même chose qu'un autre membre de Team Steam, vous avez dit, donc je vous retraduis pas. Ah, c'est parfait. Et on va faire aéropiquer, on va. Économiser des lavasseurs. Est-ce que ça existe en français? Est-ce que c'est une vraie attaque ou ils ont inventé ça? Le lavasseur, je me rappelle pas du tout avoir ça. L'animation là, elle était sûrement rajoutée du coup. Quoi? 4000 d'expérience pour un. Comment il s'appelle? Un Pijako, je crois. Ah ouais, c'est le nom français. Là, un chatot en anglais et Pijako, oui. 4000 d'expérience. Non mais un Metalos. C'est un Pokémon, tu dis tu le bats, tu reçois plein d'expérience. Non, Metalos, ça te donne 20 d'expérience. Non, Pujako, ça donne 4000 d'expérience. Bah oui, attention. Un Kyurem. Kyurem. Pardon. On va le laisser en premier, Dracofeu, il craint rien. Enfin, je sais pas s'il craint quelque chose, mais... Il peut combattre pas mal de Pokémon différents. Ce Pokémon légendaire va appartenir à Team Steam. Tu ne vas pas interférer entre nous à nouveau. Je te déteste, tu es un rat. Tu nous as détruit. Tu as détruit la Team Steam et tu nous as rendu ridicule que. Enfin voilà, en gros, tu es un connard. Mais cette fois, je vais te détruire. On parie. Si je gagne, tu me donnes de l'argent. D'accord. De toute façon, celui-ci, il me donne forcément de l'argent, donc Pokémon. Ah, c'est Percy, c'est pas Kratos. Oh là là, oh 74. Surchauffe.
Je sais pas ce que ça va lui enlever. On va voir, dis-moi tout. Ah ouais, ah oui. D'accord, il fait Corse. Hein. Je vais mettre le cadre. Parce que je peux faire d'autres. Je peux pas l'empoisonner, de toute façon, puisqu'il a fait Corse. Hein. Enfin, il a fait Rune Protect. Je sais plus ce qu'il a fait, il a fait un truc. Voilà, je peux pas le paralyser ou l'empoisonner, donc je vais le faire tonnerre. Oh, pourquoi j'ai pas fait Fatal Foot, je suis bête. Oh bah c'est pas grave, hein. Tant pis. Allez, on va faire Force. Oh. Oh. Tiens, quoi, je vais pas mettre Trioxyde, hein, parce qu'il est type dragon, il risquerait d'être KO, même si comme il a tous ses PV, je suis pas sûr. Bon, on sait jamais, on va pas prendre de risque. Lui, il est KO au moins, et il en a fini. 2592, hein. Voilà, déjà un peu plus qu'à monter de niveau. Et... Ok... J'entends réfléchir. Je sais pas si j'ai le temps de faire un plénitude. Ah, il me fait ultra laser. Ah, il me fait ultra laser. Tiens, viens là, toi. Il va recharger, donc tu vas en profiter pour faire... ça. Voilà. Il recharge. Et tu refais un deuxième Draco Souffle. Parfait, tu dois monter niveau 66 normalement. Oui, 4554. C'est déjà plus justifié que 4000 d'expérience pour un Pijako. Oh là là. Je suis toujours atterré de cette histoire hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Ah, oh, c'est pas grave non plus. Ah, oh, il m'a donné pas mal d'expérience. Non, de PV, de. Non. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? De Pokédollar. De bêtises. Comme bêtises, je raconte. Pas de conneries. Oh, je viens de leur dire. Oh, je suis bête. Pourquoi tu continues de nous stopper? Cette équipe est finie, tu m'as battu encore, honte à toi, enfin non, malheur à toi, bon, enfin, voilà. Voilà. Ouh là là, ça tremble. Ah mais il veut me combattre? Oh, il m'a passé à travers. Et reviens toi. Reviens, ne me quitte pas. Bon. Et ben on va retourner sur. On va continuer sur cette route, je vais pas retourner au centre Pokémon parce que on est sûrement bientôt arrivé dans la ville suivante donc. Tant pis. C'est qui un premier déjà? Ah, je l'ai laissé. D'accord. Et ben je vais changer, après je vais mettre Trioxyde, c'est le plus proche de monter niveau 66 donc. On va laisser Trioxyde. Donc. Moi je vais te faire surchauffe parce que sinon. La Vasseur, je suis pas sûr que tu te mettes KO. Ah, parce que bah, même surchauffe si elle met pas KO, j'ai raison. Ah mais d'accord, il y a la pluie. Je pense que la pluie ça diminue ma puissance. Je suis pas sûr. Oh, il va bientôt monter niveau 67. Oh, au pire, je le fais monter niveau 67 et je le ferai Trioxyde après. Super potion, ok, très bien. Il y a quoi en bas? Alors, on peut passer par en bas, il y a un top dresser en bas. Ouh, un Kunotaur. Un Kunotaur, oulala. Tiens, prends ça. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je le devais. Je m'entraîne ici depuis des années, je meurs d'un... Enfin, Yogro, il est prêt à mourir pour un vrai challenge. Oh. Faire vol, on va voir ce qu'il a comme attaque. Ah, il a Hydro-Canon. Ah, il a Hydro-Canon. Ouais, et ben on va pas faire n'importe quoi. On va changer de Pokémon. On va mettre et les câbles. Ah non, il est KO. Ah, Nikao, c'est nul ça. Bah je vais le rappeler, que là. C'est où? Oh, Max Rappel, oh non. Oh, pire si, de toute façon, je sais pas quand je vais utiliser l'anneau. Oh, puis non, pour un combat comme ça, un Max Rappel, non mais c'est ça. Mais je sais, je me fais mes débats intérieurs. Ah, Hydro-Canon. C'est tout. Tu vas surchauffe ce que ça lui enlève. Ah bon, ça. Oh, il rate même pas Hydro-Canon, n'importe quoi. Bon, j'espère juste que tu vas attaquer en premier parce que sinon. Oh non, quoi qu'avec Hydro-Canon, tu serais peut-être pas KO quand même. Bref, je risque de monter niveau 67. C'est parfait. Bon, bah au moins, Trioxyde est devant. Bon, je passe en bas, mais je sais pas où ça va. Ah, c'est quand on arrive de je sais pas quelle ville. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est cet objet, mais on peut pas l'avoir. Et puis, tant pis.
Attendez, on va voir la carte. Et on arriverait d'où là? Faut aller en bas, non? Parce qu'à mon avis, si on était passé par en haut, on aurait été en direction de la ville noire. On va l'appeler ça comme ça. Donc on est bougé en bas. Bon, j'ai quand même envie de jeter un coup d'œil là-haut. Que... Ouais, tu veux un level à ton niveau, ok. Oh là là! Oh là là, mon dieu! Je suis pas à la hauteur. Je suis ici. Voilà. Bah, tu m'énerves. Oh! Ah ouais, ah ouais. Ok, ok, ok. Ok. Lance flamme. Les chats, je les brûle. Je les brûle, chat. Non, je ferai jamais ça un chat, je vous assure. Oh, d'ailleurs, ma copine, elle a un chat. Oh mon dieu. Elle est son chat, non mais je vous assure. Quelle histoire. Il est très mignon. Enfin, c'est un chat. Un chat, c'est forcément mignon, qu'on aime ou qu'on aime pas. On est obligé d'avouer que c'est mignon. Vous êtes d'accord? Non, en fait, il n'y avait rien à faire. On serait passé par en haut, on se serait fait arnaquer, donc on descend. Et on arrive à Nurmic City. Là, c'est pas cette ville. Les sols sont cassés. Ouais. Il y a peut-être une arène. Je sais pas si on l'a fait. Oh, j'ai envie de faire une arène. J'ai envie de faire une arène. Là, je me sens prêt. Et je me sens prêt à changer de Pokémon aussi parce que Bayate, tu retournes dans ton PC. Tu m'as été très utile, je t'aime. Je t'aime, ouais, je vous le dis. J'aime Bayate. Mais je veux plus de toi. Voilà. Tiens, je te mets à côté de. Ah, j'aimerais bien mettre à côté de ton fils. Alors, ce qu'on va faire. Ouais. Voilà, je te mets à côté de ton fils. Bon. Et ben, on va voir si y a une arène. Bien sûr, s'il y a une arène, ça peut dire qu'on puisse la faire tout de suite, parce que la plupart du temps, les arènes. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Qu'est-ce que tu me dis? Désolé, le champion de cette arène est avec son Alakazam à l'hôpital. Et ben, on va s'occuper de cette histoire d'hôpital. Ouais, et après, bah, on va peut-être pas faire l'arène du coup dans cet épisode. Là, c'est qui devant? Mince. C'est encore Dracaufeu devant ou quoi? Ouais, on va te faire monter niveau 67. Ça ressemble à un hôpital, ça. Bon, c'est l'accueil. Tu veux voir ce qu'il a fait? Ouais, enfin, il a mis des infirmières jaunes. Ouais, bah, je vois pas la tête du champion. Ah, bah, si, ça va être lui, hein, Alakazam. Kilroy. Mon Alakazam a une grosse fièvre. Il a besoin d'une Enigma Berry pour aller mieux. Pas ça, moi. Pas d'Enigma Berry. Pas de Berry du tout, bah, c'est fait. Ouais, et je la récupère où, moi, ton Enigma Berry? D'accord. Elle vérifie les signes vitaux des Pokémon, ok. D'accord. Les Pokémon, on peut pas les voler, j'imagine. Non, on peut pas les voler. Donc, je sais pas où récupérer ton Enigma Berry, moi. Je vois pas pourquoi ton Enigma Berry, une Enigma Berry, ça sauverait. On peut pas tout traduire ce ministre parce que bon, c'est des passagers. Enfin, des passagers, non, des. Comment on dit, des PGM je crois, enfin des personnages, non je sais plus comment on dit, les PNJ. PGM c'est un autre truc, je sais plus ce que ça veut dire mais c'est un autre truc. D'accord, on va parler à tout le monde jusqu'à qu'on obtienne une Enigma Berry. D'accord. Ah, toi. D'accord. Ouais, ça, les ténèbres jamais affectées par le psy. D'accord. D'accord, ça ne sert à rien. Toi, un scout, ça a forcément une baie. Dans tes péripéties, peut-être as-tu obtenu une baie. Non. Toi, t'as une tête à une baie. Non, non, il n'a pas de baie. Toi, t'as une tête à manger des baies, vu ton vent. Non, je rigole. Plaisante. Va. Ah, non, ça m'intéresse pas. Faut que j'en puisse avoir un avec. Mais non, faut les changer. Oh. Ah, mais non, mais si en les changeant, ça aurait. Oh. Bon. Toi, je t'ai pas parlé. On peut toujours essayer. Ya oh. J'arrive pas à t'avoir. Ah, d'accord. Toi. Non. Oh, j'arrive pas à l'avoir. De toute façon, à mon avis, elle a pas de baie. Pas le vieux, t'as une baie, c'est obligé.
Oh, pff, ça sert vraiment à rien. Non, mais il est beau. Et puis il me donne rien. On peut obtenir une baie, plus grand. Ouais, non, je suis pas bon. Là, on va dans la direction de la prochaine ville. Donc. Je veux une baie. Toi, t'es une baie. Oh, il y a un aéroport qui est dedans. Bon. Et eh ben, que vous dire? Oh, c'est marrant ça. Hein? Je t'ai pas dit d'attendre. Je veux partir. De cette ville sans paix. Je peux pas passer ici. Ah, oh, bah c'est ma part. Je peux continuer. Et eh ben, très bien. Bah, ton Akazam, c'est ce que je tente de ce que je vous dis. Tiens, t'es une baie. Non. Je suis pas arrivé d'en bas. On va peut-être trouver une baie un peu plus bas. On va voir. Ali Poutou, ok. Ma soeur. Et type glace, donc super efficace. Et c'est fini. Elle en avait qu'un. On continue en direction du bas, du sud. Oh, attends, est-ce que je peux voler jusqu'à Bidule là? Dans Mix City? Non, je ne peux pas y voler, donc je ne vais pas aller n'importe où. Mais où tu veux que je laisse, cette baie? Tiens. Je vais gagner un peu d'expérience. Non, mais c'est un peu embêtant, ça, tout de même. Tout de même, tout de même. Oh, moi, ça, c'est un mec. Est-ce que j'ai vu cette maison? Oui, oui, si, j'ai vu. On va retourner un peu en arrière. Forcément. Ah bah là. Oui. Je peux aller prendre les baies. Mais je veux prendre les baies. Je veux prendre les baies. Pourquoi vous ne me laissez pas les prendre? Il se trouve, il y a des animaux modérés là-dessus. Bon, on saura jamais. Et c'est pas la première fois que je vois qu'on peut pas. Qu'on peut pas prendre dans les baies. Enfin dans les arbres à baies. Là. Oh, ça sert à rien, ça sert à rien, et ça sert à rien non plus. Enfin, aussi plutôt, réussi non plus, ouais. Je sais pas qui d'autre aurait une baie. Une Enigma Berry en plus. Oh là, tu voulais pas une même plus, hein. Voilà, je vais monter niveau 67. Ah, presque. Oh, je continue de chercher parce que j'ai pas envie de devoir retourner voir une solution sur internet, ça m'embête un peu. Je peux trouver tout seul. On va retourner là-dedans. Toi, t'as une baie. Non, t'as pas de baie. Toi, t'as une baie. Enfin, je parlais d'une porte. Hein. C'est pas grave. Toi, tu me dis quoi? Ah là. Il prie Dieu, en fait. Il need... Bon bah je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais devoir voir une solution sur internet. Je vais voir oh, souvent c'est soit Black and Light mais aussi Munching Orange. Je vais voir. Peut-être Munching Orange. Pour moi me sentir coupable de regarder sur YouTuber français, exactement. Bon je vais regarder une solution en tout cas parce que là je vois pas du tout où elle peut être. J'ai fait toute la ville. Vous êtes témoin, j'ai fait toute la ville. Enfin bon, et ben dans tous les cas, à tout de suite. Mais voilà, quand je me suis fait une pause de 2 heures à peu près, enfin ça fait 2 heures que j'ai commencé l'épisode, je reviens maintenant. Et bref, bon, j'ai vu où fallait aller, je suis allé voir, oh, je vais me sentir coupable, je vais voir Black and Light, ah oui, je l'avoue, j'ai cédé. J'aurais pu aller voir Munching Orange, mais bon, c'est mieux d'aller voir Black and Light. Il a commencé à capturer d'ailleurs des légendaires sur sa chaîne, c'est pas mal ça. Je ferai pareil, je sais pas exactement comment je pense que je vous montrerai comment on les capture, mais à quel rythme je enfin, combien de légendaires par vidéo par exemple, j'en sais rien. Faut aller où? Oh bon, c'est fou. Ce qu'on va faire, on va repasser par en haut à droite. En fait, faut aller à la ville des gratte-ciels, la Meridian City. Oh, j'aurais dû aller directement hors de vidéo, là. Ça sert à rien. Oh bah c'est trop tard, hein. Fallait me le dire avant. Bon. Donc,
on passe par là, enfin vous passez devant, ça dépend où vous étiez juste avant. Vous allez toujours en direction de la ville, c'est ici, ah bah c'est juste ici. Et vous allez dans cette maison précisément, la house, ouais c'est marqué house, c'est marqué ça sur toutes les maisons. Et vous parlez à ces dames. Welcome to the berry shop. Et elle demande quelle baie tu veux acheter. Et là-dedans, tu as la baie Enigma. Donc on va acheter des baies Enigma. On va acheter 5, on sait jamais. Et les autres, je sais pas quoi ça sert. Une baie aura. Ouais, bon, pour 10 PV, au niveau où on en... enfin, au point où on en est, ça sert à rien, je pense. Bon, ça va, c'était pas trop loin la ville. Je pensais que c'était plus loin que ça, mais bon, tant mieux. Au moins, on perd pas trop de temps. Mais on va, de toute façon, on va donner la baie au... au champion là, comment il s'appelle, Kilroy ou Roy Key, Rilcoy, je sais plus, je comprends un peu toutes les syllabes. Et après, il pourra soigner son dans la caserne et il reviendra dans son arène. Mais nous, on fera l'arène dans le prochain épisode, dans le 40e épisode. Parce que là, tout à l'heure, j'ai perdu du temps à chercher, j'aurais dû directement aller voir, mais bon, je préférais trouver moi-même. Alors, on remonte à l'étage. On remonte dans l'hôpital et on va parler au champion qui, je le rappelle, est en bas à gauche, toujours avec son Alakazam. C'est bon, il s'est pas tiré, il est pas mort non plus. Alors Ray, can you... oh, attendez, j'ai une mise à jour qui voulait se faire là. Je l'ai stoppé des yeux. Hey, peux-tu me donner une Enigma Berry pour soigner la fièvre de mon Alakazam? Non. Bah oui, j'ai t'en donné une, sinon je peux pas avoir mon badge. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais laissé. Non, je regarde. Merci, maintenant mon Alakazam va mieux. Je retourne à l'arène. Très bien, moi j'utilise pas téléport. Parce que j'ai pas téléport, mais je vais quand même me téléporter jusqu'à ton arène. Youh. Et on accélère, on accélère, on accélère. Mince, où c'est déjà? Non, je me suis trompé de sens. Mais je suis trompé de sens. Oh, il veut quoi, lui? Oh, et ben il attendra. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce 39e épisode de Platinum. Et je vous dis rendez-vous au 40e épisode. Salut tout le monde!